Bienvenue dans cette séance d'apprentissage. Je suis Belobo Aimé, votre enseignant de French. Et évidemment, nous sommes dans la classe de Form 4, n'est-ce pas? Alors, sans plus tarder, nous allons faire la correction de l'évaluation du devoir que je vous ai donné dans notre précédente séance. Alors, nous allons lire la consigne. Pour éviter des feux de brousse qui, ces derniers temps, ravagent les forêts et les champs des cultivateurs de ton pays, tu as décidé d'aller rencontrer tes grands-parents au village afin de leur parler de la technique du brûlis qu'ils utilisent souvent pour fertiliser leurs terres en attendant la saison des pluies. Alors, je suis certain que tu as fait un bon travail. Alors, il s'agissait de faire en 10 lignes, n'est-ce pas, de rédiger en 10 lignes maximum, de parler, je dirais, des conséquences négatives des feux de brousse. Alors, qu'est-ce que tu as pu nous donner comme texte, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as pu produire? Nous allons le lire ensemble. Pour éviter les feux de brousse qui ravagent actuellement les forêts et les champs de notre pays, j'ai décidé de rendre visite à mes grands-parents au village pour discuter avec eux de la technique du brûlis qu'ils utilisent fréquemment pour fertiliser leurs terres en attendant la saison des pluies. Je souhaite les sensibiliser aux conséquences négatives des feux de brousse qui sont les suivantes. Alors, qu'est-ce que tu nous as proposé? Qu'est-ce que tu as donné comme conséquence? Ah, un, la destruction de la végétation. Ça, c'est bien. OK? La destruction de la végétation. Les feux de brousse détruisent la végétation, y compris les arbres, les plantes et les cultures. Cela entraîne une perte de biodiversité, n'est-ce pas? C'est l'ensemble de tous les éléments vivants qui vivent dans un environnement. C'est très bien. Ça, c'est un mot vraiment recherché. Une perte de biodiversité et peut avoir un impact sur l'écosystème local, n'est-ce pas? Je suis certain que vous avez vu ce qu'on appelle écosystème, n'est-ce pas, en science. N'est-ce pas? C'est à renvoyer aux différents environnements dans lesquels les êtres vivants vivent, n'est-ce pas? Alors, on continue. Autre chose, perte d'habitat naturel. D'accord. On va lire ce que tu as dit, je veux comprendre. N'est-ce pas? Les feux de brousse détruisent les habitats naturels des animaux en les privant de nourriture et de lieux de reproduction. Cela peut mettre en danger la faune et perturber l'équilibre écologique. Alors, revenons ici. Nous avons dit destruction de la végétation. On revient encore, n'est-ce pas, ici. Pour éviter les feux de brousse qui ravagent actuellement les forêts et les champs de notre pays, j'ai décidé de rendre visite à mes grands-parents au village pour discuter avec eux. Voilà, ça c'est notre sujet. On va d'abord vérifier ce qu'il fallait dire, n'est-ce pas? Et puis on revient. Je souhaite sensibiliser, voilà, les conséquences négatives. D'accord, on parle des conséquences négatives. Destruction de la végétation, c'est ce que tu nous as dit. On a expliqué. Et ensuite, on a la perte d'habitat naturel. C'est ce que tu nous as dit en deuxième position. Ensuite, nous allons prendre la pollution de l'air. Très bien. C'est également un très bon argument pour convaincre tes grands-parents de ne plus utiliser le brûlis. Les feux de brousse produisent d'importantes quantités de fumée, n'est-ce pas? Et des particules fines, n'est-ce pas? Ce sont des produits qu'on ne peut pas voir à l'œil nu et qui sont dans ces fumées-là, n'est-ce pas? Qui polluent l'air, OK? Cela peut entraîner des problèmes respiratoires, OK?
pour les personnes vivant à proximité, c'est-à-dire à côté, ok, à côté, et aggraver les conditions de santé existantes, ok. Alors, détérioration des sols. Alors, quand tu parles de détérioration, ça veut dire quoi, n'est-ce pas? Ça veut dire la destruction, n'est-ce pas? La destruction des sols. Les feux de brousse peuvent entraîner une dégradation. Ça, c'est toujours le même mot, n'est-ce pas? Ça renvoie toujours à la destruction. C'est très bien. OK? Destruction des sols en brûlant la matière organique, n'est-ce pas? Et en exposant la terre à l'érosion. Cela peut rendre les sols moins fertiles et plus vulnérables, n'est-ce pas? C'est-à-dire plus exposés, ok, aux inondations, ok? Donc, on passe. N'est-ce pas, à notre leçon du jour. Mais avant de passer à la leçon, je veux d'abord te féliciter, n'est-ce pas, pour les arguments, pollution de l'air, détérioration du sol, destruction de l'habitat naturel. C'était vraiment des arguments convaincants que tu peux utiliser, n'est-ce pas, pour convaincre tes grands-parents de faire attention à la technique du brûlis qu'ils utilisent lorsqu'ils veulent, n'est-ce pas, défricher leur terrain, n'est-ce pas, leur champ. Alors, la leçon du jour est une leçon d'expression orale qui s'intitule « Compte rendu d'un entretien avec un agent, n'est-ce pas, de santé ». Alors, le plan de notre leçon est le suivant. Nous allons premièrement voir l'objectif, ensuite les prérequis. Nous allons découvrir un texte, n'est-ce pas, nous allons lire un petit corpus. Ensuite, nous aurons des activités d'apprentissage, un petit résumé et quelques exercices, n'est-ce pas, pour voir si nous avons maîtrisé ce que nous avons fait aujourd'hui. Alors, comme objectif, n'est-ce pas, compétence attendue, tu devras, à la fin de cette leçon, tu devras être capable de t'exprimer oralement, n'est-ce pas, pour faire le compte rendu d'un entretien avec un personnel de santé, n'est-ce pas, avec quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé. Voilà. Donc, alors, comme prérequis, l'apprenant est capable, tu es déjà capable d'interpréter une image, n'est-ce pas? Parce que je vais te présenter quelques images et tu devras me dire ce que tu vois. Alors, tu es déjà capable également de faire un petit résumé de texte oralement. Ça, vous l'avez déjà fait, n'est-ce pas? Nous sommes en forme fort et vous avez appris à le faire, n'est-ce pas? Dans les classes précédentes, des petits résumés. Et ça va véritablement vous servir dans cette leçon. Alors, tu vas me dire ce que tu vois, n'est-ce pas, dans les images que je vais te proposer à la suite, n'est-ce pas? Alors, comme première image, nous avons celle-ci. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois sur cette image? Est-ce que les gens en gilet là, ils ne te disent rien? Vous ne les avez jamais vus à la maison arriver? Comment est-ce qu'on les appelle? Qu'est-ce que tu vois? Ah, oui. Très bien. Je vois des agents de santé communaux, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui travaillent souvent, ils viennent souvent dans les villages, dans les quartiers. C'est très bien. Alors, deuxième image. Oh, on voit des gens avec des papiers, on a l'impression qu'ils sont en train de crier. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce que tu vois? D'ailleurs, regarde bien là, il y a des petits objets, ça te fait penser à quoi? Qu'est-ce que tu vois? Où est-ce que tu les as déjà vus et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Oui, très bien. Je pense que tu as trouvé. Je vois des agents de santé, n'est-ce pas, qui manifestent. OK? Ils sont mélangés. On voit on a l'impression qu'il y a des infirmiers, des médecins. Ils sont un peu mélangés, mais ils ont l'air de se plaindre. Il n'y a pas de souci. Alors, on continue. Qu'est-ce que tu vois ici, dans cette image? On a également le même monsieur avec un petit objet là. On ne sait pas ce que c'est, mais ça nous renvoie à quelque chose. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Alors, qu'est-ce que tu vois? Bien, je vois des gens qui s'entretiennent avec un agent de santé, n'est-ce pas? On a un monsieur avec un gilet également, n'est-ce pas? Et ils s'entretiennent. Certainement, ils sont en train de penser à comment aller sensibiliser les gens, n'est-ce pas, sur leur
en ce qui concerne la santé. Bien, on continue. Prochaine image. Ah, ça, ça doit être très facile, n'est-ce pas? Ça doit être très facile. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Bien, je vois un centre de santé communautaire, n'est-ce pas? Ça a l'air d'être un tout petit centre de santé. On peut lire là, centre de santé de Tonson. Voilà, ça ne se voit pas très bien. Mais on voit un centre de santé communautaire qui a l'air d'être construit dans une zone rurale, n'est-ce pas? Dans une petite localité. Très bien. Alors, on poursuit donc avec cette question. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un agent de santé? Qu'est-ce qu'un agent de santé selon toi? D'après les images que nous avons vues, on a vu les messieurs avec des gilets, n'est-ce pas? On a vu un tout petit hôpital. Ça te fait penser à quoi, un agent de santé? Alors, on va voir ta réponse. Un agent de santé est un membre formé n'est-ce pas, d'une communauté spécifique qui œuvre pour faire la promotion, n'est-ce pas, pour promouvoir la santé et répondre aux besoins de sa communauté. Ça veut dire qu'un agent de santé ne travaille pas partout, il travaille dans une communauté bien précise. OK? Ça peut être, par exemple, des nordistes. Au milieu d'eux, on va prendre des personnes qui vont travailler dans cette communauté, n'est-ce pas, pour faire la promotion, pour promouvoir la santé et pour sensibiliser cette communauté-là. Très bien. Alors, on passe donc à notre corpus, n'est-ce pas? On va donc voir un exemple d'entretien, n'est-ce pas? Nous allons le lire et j'aimerais que tu lises ce corpus avec un de tes amis, un de tes camarades, n'est-ce pas? Avec qui tu pourras, n'est-ce pas, échanger, OK? Donc, le titre, entretien avec un agent de santé, autant pour moi. Date, 12 juin 2023. Lieu, centre de santé communautaire d'Eco. J'ai eu le privilège d'avoir, n'est-ce pas, je précise que le dialogue, n'est-ce pas, nous l'aurons plus tard, mais nous allons d'abord lire l'extrait, n'est-ce pas, un exemple de compte rendu. Alors, nous allons le lire. J'ai eu, tu peux le lire avec moi, n'est-ce pas? Lisons ensemble. J'ai eu le privilège d'avoir un entretien avec M. Jean Nganda, agent au sein du centre de santé communautaire. L'objectif de cet entretien était de discuter de son expérience, de son rôle en tant qu'agent de santé et des défis qu'il rencontre au quotidien. Monsieur Nganda a expliqué que son rôle principal était d'assurer des soins de santé de base aux patients, tels que la prise de tension artérielle, les pansements et la distribution des médicaments. Il a souligné l'importance de donner des soins de qualité en tenant compte des besoins particuliers de chaque patient. Un patient ici, c'est un malade également, n'est-ce pas? Alors, nous avons également discuté des défis, n'est-ce pas? Des obstacles, des problèmes qui peuvent arriver, n'est-ce pas? Des défis auxquels il fait face, n'est-ce pas? Monsieur Nganda a mentionné la surcharge de travail, n'est-ce pas? Il y a trop de travail, OK? Dû au manque de personnel et de moyens, ce qui peut diminuer la qualité des soins. De plus, il a souligné les difficultés rencontrées pour sensibiliser la population aux problèmes de santé préventifs, n'est-ce pas? Les problèmes, en fait, les choses que nous... Quand on parle de préventif ici, ce sont des choses qu'on fait avant de tomber malade, OK? Il a souligné les difficultés rencontrées
pour sensibiliser la population aux problèmes de santé préventif et l'importance de l'éducation sanitaire. Donc, sanitaire, c'est tout ce qui renvoie à la santé. Très bien. Monsieur Nganda a également discuté de l'importance du travail en équipe avec d'autres professionnels de la santé, tels que les médecins et les infirmières spécialisées, ce qui permet d'améliorer les résultats pour les patients. On continue à lire ensemble, hein? Cet entretien avec M. Jean Nganda a été très enrichissant. Il a permis de mieux comprendre le rôle important des professionnels de santé dans la prestation des soins de base dans la communauté. Les défis rencontrés, tels que la surcharge de travail et la sensibilisation du public, ont montré la nécessité de soutenir et de renforcer le système de santé. Très bien. Rapporteur, Madame Ekok Gisèle. Texte inédit. Alors, on va poursuivre rapidement, n'est-ce pas, avec quelques questions, n'est-ce pas? Tu pourras avoir le temps de relire le texte attentivement, n'est-ce pas, cet extrait. Et là, nous avons directement quelques questions. Et la première question que je vais te poser, c'est, d'après toi, où et quand s'est déroulé l'entretien? Où et quand? Oui. Alors, l'entretien s'est déroulé le 12 juin 2023 au Centre de santé communautaire de Makba, n'est-ce pas? Deuxième, au centre de santé, dans un centre de santé communautaire. De qui est-il question dans le texte? OK? De qui est-il question dans le texte? Alors, dans le texte, n'est-ce pas, il est question de, voilà, le texte parle de M. Jean Nganda, un agent de santé communautaire, n'est-ce pas? On parle de ses activités. Très bien, prochaine question. De quoi est-il question dans ce texte, justement? Alors, quels sont les différents éléments qui ont été développés dans le texte? Oui. Ce texte parle de l'engagement, n'est-ce pas? Parle de l'engagement de M. Nganda envers sa profession et sa volonté de fournir des soins de qualité malgré les difficultés. Il y a autre chose, n'est-ce pas? Il y a autre chose. Il parle également de l'importance de la collaboration, n'est-ce pas? La collaboration, travailler avec les uns et les autres, n'est-ce pas? Entre personnel de santé pour améliorer les résultats en matière de santé. Très bien. Wow! Il souligne également l'importance de la collaboration entre personnel de santé pour améliorer les résultats en ce qui concerne la santé, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on poursuit. Qui rapporte l'entretien? Qui écrit l'entretien? Qui a rapporté l'entretien? Qui fait le rapport? À la fin, nous l'avons vu, n'est-ce pas? C'était Madame Ekok Gisèle. Très bien. Madame Ekok Gisèle. Comment appelle-t-on ce type de texte où on fait le résumé là, d'un entretien et tout? À votre avis, on appelle ça comment? Ceux qui ont été attentifs ont vu. On le rappelle, n'est-ce pas? C'est quoi? Très bien, c'est un compte rendu. Bravo à ceux qui ont trouvé, n'est-ce pas? C'était évident. Alors, allons-y rapidement. Je vais vous donner un petit travail, n'est-ce pas? OK, à faire en ce qui concerne... Mais avant de vous de faire ce travail, nous allons d'abord jouer à quelque chose, n'est-ce pas? Alors, en un petit paragraphe, résume oralement ce compte rendu. OK? Résume oralement. Fais-le oralement. OK? En tes propres termes, fais un petit résumé.
OK? On va commencer là avant que tu ne donnes, ne fasses un. À la fin de cette leçon, que tu ne fasses un bon compte rendu, tu vas d'abord nous faire un petit résumé. Alors, j'attends. On peut proposer. Très bien. Lors de l'entretien, on peut le lire ensemble toujours, hein? Lisons-le ensemble. Lors de l'entretien avec M. Jean Ganda, un infirmier du centre de santé, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que tu dis, mais on a parlé des agents de santé, n'est-ce pas? D'accord. Un infirmier du centre de santé, il a expliqué son rôle important auprès des patients en fournissant des soins de base tels que les pansements et la distribution de médicaments. Malgré les défis liés à la surcharge de travail et au manque de ressources, M. Nganda reste déterminé à offrir des soins attentionnés et respectueux. Il a souligné l'importance de sensibiliser la population aux soins préventifs et de travailler en équipe avec d'autres professionnels de la santé pour garantir les meilleurs résultats pour les patients. Cet échange a permis de comprendre l'importance du rôle des agents de santé et la nécessité de soutenir notre système de santé. Bien. Alors, une question dont se pose, n'est-ce pas? Bravo déjà pour ce brillant résumé, n'est-ce pas? Tu as repris beaucoup d'éléments que nous avons vus dans le résumé, mais j'attends à la fin que tu fasses quelque chose. Tu vas travailler tout seul. Mais répondons d'abord à cette question. Quelles sont les parties de ce compte rendu, selon toi? Tu as remarqué, n'est-ce pas, en lisant, en relisant le compte rendu, il y avait différentes parties, n'est-ce pas? On ne fait pas un compte rendu au hasard, n'est-ce pas? Alors, quelles sont les parties que nous avons pu voir? Voilà. Très bien. Nous avions l'entête, n'est-ce pas, où on avait le titre, la date et le lieu de l'entretien, n'est-ce pas? Hein? C'était pour situer le contexte. Ensuite, nous avons eu une introduction, très bien, où on a présenté l'entretien et les objectifs, n'est-ce pas? C'est-à-dire les différents points clés, les points importants. Ensuite, on a eu le développement, n'est-ce pas? Ici, on a plutôt l'introduction qui présente les objectifs de l'entretien, n'est-ce pas? Et là, dans le développement, on a discuté des points clés, n'est-ce pas? Des points les plus importants, c'est-à-dire le rôle professionnel, les défis, la collaboration, etc., etc. Donc, ça, c'est ce que tu devras faire lorsque tu feras ton propre compte rendu. Tu dois faire attention à ça. Ensuite, nous avons eu la conclusion, n'est-ce pas? La conclusion qui est simplement le résumé, n'est-ce pas, des différentes, des principaux points que tu as développés ici, OK? Dans le développement. Donc, tu fais un bref résumé, un petit résumé de tout ce que tu as, de tout ce qui a été discuté avant. Alors, pour revenir donc, pour continuer, je vais donc te donner, n'est-ce pas, notre petit texte que tu vas devoir jouer, comme je te l'ai dit au début, avec, n'est-ce pas, avec ton camarade, ton ami, n'est-ce pas? Vous allez jouer ce dialogue, OK? Alors, joue l'entretien ci-dessous avec un de tes camarades, puis fais oralement un petit compte rendu après l'avoir attentivement relu. Donc, vous allez le jouer d'abord. On va aller ensemble. Alors, il y a un journaliste et un autre personnage. Donc, tu vas choisir entre toi et lui qui est le journaliste et qui va répondre, qui est l'agent de santé. Donc, allons-y. Le journaliste. Pouvez-vous nous parler de vous et de votre travail en tant qu'agent de santé africain? Alors, l'agent de santé, je ne sais pas si c'est toi, mais réponds. Je suis M. Ousmane, responsable de la promotion de la santé dans ma communauté, de la sensibilisation aux bonnes pratiques. Le journaliste qui repose une autre question. Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés? Agent de santé, le manque de ressources médicales, les infrastructures limitées et les barrières culturelles sont des défis majeurs. Journaliste,
Comment voyez-vous l'avenir de la santé en Afrique? L'agent de santé, je crois à un avenir prometteur où les agents de santé renforcent la collaboration et la sensibilisation pour améliorer la santé de tous les Africains. Journaliste, merci pour cet éclairage sur votre travail en tant qu'agent de santé en Afrique. Agent de santé, merci à vous de me donner l'occasion de partager mon expérience. Alors, ce que tu vas faire donc, c'est me donner un bref résumé de M. Ousmane qui est ici, n'est-ce pas? J'espère que tu lui ressembles. Donc, tu vas faire un petit un compte rendu selon les éléments, n'est-ce pas, qu'on a donné. On a parlé de l'entête, de l'introduction, du développement et de la conclusion. J'espère que tu te rappelles des éléments qu'il fallait y mettre, n'est-ce pas? Alors, allons-y. Je crois que tu as déjà eu le temps de relire, n'est-ce pas, ce petit échange, n'est-ce pas, que tu as joué avec un de tes camarades. Alors, allons-y. Correction. L'entretien a été réalisé avec M. Ousmane, n'est-ce pas, agent de santé africain, dans le but de discuter de son rôle et des défis auxquels il fait face dans sa communauté, n'est-ce pas? Ça, c'est la petite introduction, ok? Ensuite, M. Nganda a parlé de son travail en tant qu'agent de santé qui consiste à faire la promotion de la santé et donner des soins de base dans sa communauté. Il a souligné l'importance de sensibiliser les habitants aux bonnes pratiques de santé. Très bien. Ça, c'est, on est déjà dans le développement, n'est-ce pas? Mais je noterai, c'est vrai que dans l'exercice, nous avons pas, on n'a pas donné les éléments d'entête, mais il faut le souligner. Il y a l'entête où on aura le titre, n'est-ce pas? Si tu es amené à écrire, on aura la date et on aura le lieu de l'entretien, n'est-ce pas? Ça, ce sont les trois éléments qui figurent avant que tu ne commences ton introduction, ok? Alors, on continue. Ça, c'était notre deuxième point. Nous avons également parlé des principaux défis auxquels il fait face. Monsieur Nganda a souligné le manque de ressources médicales, les infrastructures limitées et les barrières culturelles comme des obstacles importants dans son travail. Effectivement, ce sont des points clés qu'il a développés. Très bien. Monsieur Nganda a exprimé une vision positive de la santé en Afrique. Il croit en un avenir où les agents de santé renforceront la collaboration et la sensibilisation pour améliorer la santé de tous les Africains. Très bien. Waouh. Alors, cet entretien avec M. Jean Ganda a permis de mieux comprendre le rôle important des agents de santé africains dans la promotion de la santé dans leur communauté. OK? Très bien. Alors, je pense que il y a un dernier point. Les défis mentionnés tels que le manque de ressources et les barrières culturelles soulignent la nécessité de soutenir et de renforcer les efforts dans le domaine de la santé en Afrique. Très bien. Alors, on va continuer, n'est-ce pas? Alors, avant de continuer, de terminer, j'aimerais te féliciter, n'est-ce pas? Pour ce petit texte, je pense que tu devrais le relire encore parce qu'il y a beaucoup de points positifs, n'est-ce pas, que tu as pu nous donner. Et je crois que tu as compris à peu près, n'est-ce pas, ce que nous avons expliqué, n'est-ce pas, dans la structure, en ce qui concerne la structure du compte, d'un compte rendu. Alors, nous allons passer au devoir, n'est-ce pas. Après ce texte, ce que tu vas faire à la maison, ce sera simplement de rédiger un compte rendu complet. Cette fois-ci, tu ne vas plus oublier la date, le lieu et le titre, n'est-ce pas? Tu vas nous rédiger un compte rendu complet en t'inspirant
n'est-ce pas, de l'entretien de l'exercice précédent, n'est-ce pas, le petit dialogue que tu as joué avec ton camarade. Tu devras le relire attentivement et nous faire un compte rendu complet. Seulement, ce qui va se passer, c'est que tu vas préciser les différentes parties, ok? Tu vas préciser les différentes parties. Le titre, l'introduction, le développement et la conclusion. Alors, nous avons donc terminé notre leçon du jour et vous pouvez regarder les éléments que nous avons exploités. Il s'agit simplement de notre dictionnaire, du dictionnaire Larousse, n'est-ce pas, sur leur site internet et le livre de la classe de Form 4, le réseau du français 4. Notre prochaine leçon sera une leçon de vocabulaire qui portera sur les mots et expressions liés à la santé.